Tyler. Oh, mon petit bout de chou. Tu es si joli, si pleine. Excuse-moi. Tu permets, je vais arranger ça. D'accord? Et ça ne faisait tant de peur. Avec lui, Riley est en parfaite sécurité. Doucement, doucement, attention! À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça? Qu'est-ce que pas? C'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est des brocolis! Berk! La colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Oh. Riley, regarde le petit avion. Un avion. On a un avion. Elle est... comment dire? Ils sont joyeux pour la plupart, grâce à moi. Souvenir vraiment important dans la vie de Riley. Comme quand elle a marqué pour la première fois. Oh, c'est... Mais ma préférée, c'est l'île des bêtises. Oh, et j'adore l'île de l'honnêteté. Il est un requin. Danger. Faites bien jouer les amis, en voyant tout ça dans la mémoire à long terme. C'est mieux. Et puis, Riley a 11 ans. Je vois pas ce qu'il pourra... Bon, c'est pas vrai, mais c'est joli quand même. Et heureusement que les tremblements de terre ne sont qu'une légende. Plus que quelques rues avant d'arriver à notre nouvelle maison. Alors accélère! Enfin, bah c'est pas trop tôt. Des rêves. Ouh, y'a des serrures. Oh, c'est joli. Oh, ce serait super pour Riley. Oh. Attention, nouvelle maison et... Non mais attendez, c'est une blague, on va pas s'installer là. On est obligé. C'est répugnant. Il doit y avoir un truc... Hé, pendant tout le voyage, papa nous a dit que notre nouvelle chambre était super. Allons, je te... Et puis ça pue. Ouais, ça sent pas bon du tout, là. Je suis sûre que nos rideaux... collection de trophées. Ça tient sur le mur. Des étoiles. On est bien, là. Le camion... Il devait arriver hier. Oui, je sais, c'est ce qu'il m'avait promis. Papa et maman sont stressés. Attention, j'arrive. Désolé, il faut que je réponde. T'inquiète. T'es la meilleure, merci chérie. Au revoir mon cœur. Attendez une seconde. Je viens de m'apercevoir que Riley n'a pas déjeuné. Soumi. Non mais c'est quoi ce truc? Des brocolis dans de la pizza. Ok, je démissionne. Quoi? Oh. Cela dit, ce n'est pas pire que la soupe de ce restaurant du Nebraska. Par la fenêtre de la voiture. Ce que vous voulez, à part quand papa chante. La ceinture de sécurité. Oh, la photo avec le dinosaure. Oh. Excellent choix. La séance photo. Elle a détraqué le souvenir. Qu'est-ce que t'as fait? Désolée, Joie, je suis vraiment trop nulle. Je l'ai pas fait exprès, je pensais que tu... Vite, cette trompe d'escalier. On va la descendre jusqu'en bas. Tristesse, qu'est-ce que tu... Je voulais en toucher un pour voir... Mais non, ce n'est pas une dépression, c'est du stress. Oui, mais moi j'arrête pas de faire des bêtises. Positiver. Oui, positiver. Mais je sais pas comment on fait. D'accord. Goûter avec Meg quand Riley a éclaté de rire et que le lait est sorti par ses trous de nez. Oh, c'est cool! Quand on va à la plage et au soleil. Oh, et quand on n'enterrait pas, on peut sauter dans les flaques d'eau. C'est super! Il y a des parapluies colorés, des éclairs, de la poudre. De rien. Oh, et doucement. Pourquoi est-ce que tu pleures? On va essayer de se changer les idées. On va aller lire des livres sur le cerveau, d'accord? Action des souvenirs par regroupement. Tu vois? C'est génial! Oh, tu en as de la chance. Comment on va faire? On a à peine de quoi tenir un mois, voilà qu'on assure, d'accord? Vous avez entendu? J'ai vu un type très poilu, il ressemblait à un ours. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les mains moites, j'ai les nerfs en... Cette crasse! Qu'est-ce que papa et maman sont venus faire dans ce trou? D'accord, oui, je sais, vous êtes soucieux. Ouais, et en plus, ils ont perdu le camion! Oh, c'est rien, ça pourrait être pire! Oui, c'est sûr, on pourrait aussi dormir. On sèche l'école demain et on s'enferme toute la journée dans la chambre. On n'a rien à se mettre, ça va pas du tout le faire. On n'a qu'à pleurer jusqu'à... Pas des mauvaises nouvelles! C'est parti, Bokiki! Tchou, tchou! Toujours pas de camion en vue. Bon, très bien. Eh ben, on va lui faire voir à quel point on est à fond. Notre petite fille joyeuse.
Bon. Oui, d'accord. Ça va, ça monte le moral. C'est super. On est avec toi, Joie. Production. Tibio ! Oh non ! Mais qui est le responsable de la programme ? C'est comme ça. Je ferai tout pour que demain soit encore une super journée. Je te le promets. Salut, je vous ai réveillé. Arrête cet accordéon, arrête. Il faut bien qu'on ait transformé cette super entrée en catastrophe. C'est comme si c'était fait. Est-ce que quelqu'un sait écrire météorite? Dégoût, va falloir que... Et pendant que j'y suis, je trouve ta robe ravissante. Oh, cette vieille grise, c'est sympa et regarde comme elle tourne. Il y a des écoles où on s'ennuie même pendant la récré. Et je te parie que ça sera le cas. Oh, de la tristesse. Et toi, tu es là pour faire en sorte que toute la tristesse reste bien dans le cercle. Voilà. Tu vas vraiment t'éclater. Tu en as de la chance, hein. Un peu la trouille, mais j'ai vraiment hâte. Je suis... Tu vas te débrouiller? Passe une bonne journée, mon cœur. La question de leur parler, ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment. Ah, on veut quoi? Voilà la compile des désastres. Elle va pas faire ça! Elle va nous interroger! Elle va nous interroger! Riley, tu veux bien te présenter? Je viens du Minnesota et maintenant j'habite ici. Et... Oui, on a plutôt froid. Les lacs gèlent l'hiver et on... C'est comme une tradition. Et on va sur le lac presque tous les week-ends. Je suis désolée. Retourne dans ton cercle. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à l'éjecter. Mais c'est plus pareil depuis qu'on est parti. J'aurais pas dû. Un souvenir de la mémoire centrale. Non, Joie. Son livre d'histoire au chapitre 7. J'ai le droit de le dire, le gros mot, là. Ah, oh non ! 1, 2, 3... Ça. Il faut revenir au quartier cérébral, rebrancher la mémoire centrale... Cérébral, et sans toi, Riley va déprimer. Il faut que tu retournes là-bas. Alors, apparemment, la poubelle verte n'est pas destinée qu'il faut. Mais oui, c'est ça! Jusqu'à ce qu'elle revienne, on n'a qu'à faire ce qu'elle ferait! Voilà! Bonne idée! Si on a lieu demain, après l'école. Quelle chance, hein! T'as rien compris. Qu'est-ce qu'on répond, là? D'accord. Et quoi, ça, c'était pas joyeux du tout! Non, parce que la joie, je sais pas faire. Ah ouais, mais j'avais pas remarqué. Ce premier jour d'école... Attention, elle nous cuisine. Je passe mon tour, vas-y, c'est toi qui fais la joie. Quoi? Cette fois, il y a vraiment un truc qui cloche. Elle n'a jamais réagi de cette façon. On a une solution. On n'a pas rabattu le siège des toilettes? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, femme? Quoi? Oh, je le crois. Quelle chérie. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Tu sais, chef. Pourquoi elle nous cherche? Très bien, première sommation. C'est quoi ton problème? Lâche-moi, d'accord? Niveau d'insolence critique, chef. Lancez. Bah, et bah... Ça s'échauffe. Armez le poing. Ça suffit. Monte dans ta chambre. C'est un ordre. C'est à deux doigts de la catastrophe. C'est une catastrophe.